كوك ستوديو يقدم لكم من طرف كوكاكولا. كوك ستوديو بروح جزائرية. نسيم جزمة شانتور الجيريان de musique. نسيم جزمة مغني جزائري. مغني جزائري. Je fais quoi, je vois quand même. Nassim Jezma Mourani Jazaeri de pop algérien. Salma Kuiret, fannana jazaïria. Salma, حقيقه انا نعرفها depuis 2001-2002. غابت على الساحه الفنيه عندها قريب 15 عام. راني رجعت للجمهور الجزائري ورجعت لبلادي والاهلي وناسي. Nassim Jezma c'est un chanteur plutôt moderne, on va dire, qui est la copie conforme de la voix de Michael Jackson, c'est incroyable. Le clip, la chanson, passé au Nibzaf, ça m'a marqué, c'est le départ, c'était le déclic. Je trouvais que c'était bien de faire ce contraste entre d'abord une voix de fille, une voix de garçon, comme je le fais souvent, mais aussi entre une sensibilité féminine et une masculine, mais surtout les tahdar à la thawra, les difficultés qu'on a rencontrées, ce qui m'importe beaucoup, moi, parce que j'adore les chants patriotiques. Safi Boutella, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, à mon grand plaisir. On n'a pas eu l'occasion de collaborer, ça devait se faire, mais c'est justement l'occasion rêvée. Safi Boutella, كان عندي une expérience معاه في les années 90 في التسعينات كان عمل قوي بزاف عندي قريب 15 عام ولا اكثر من 15 عام ما شفتوش سي في فورميدابل كو عندها واحد الروح في واحد الصوت سي سي فريمون تو دون encore une fois la chair de poule. Bonsoir. Nassim Jezma, très heureux, Salma Kouirat. Ouais, ça va très bien. Vous êtes venu voir Safi. Je vais mettre la quina avec Salma Kouirat, mais bien sûr, c'est Mabzaf, Béa et Bleu Groupe, surtout Méditerranée. C'est fait partie des artistes de légende algérienne. Je viens d'arriver, je sais pas. Darbotallah. Alors. Hey. Le duo Talium, l'arrangement, je l'ai fait dans le sens du sentiment et de l'émotion révolutionnaire. Donc, il n'y a aucune chance pour que qui que ce soit choqué, Yanni. Ça devrait marcher. Un des souvenirs assez forts à la chanson, c'est que j'ai eu le plaisir de l'interpréter sur scène à Montréal, en face de la communauté algérienne, et c'était un moment vraiment très. C'était l'instant émotion à le concert. Chanson patriotique, la Hendrini Walium, je pense que Aziza, elle a coulé le Jazairi, ou Jazairia. Anna qui compte Srir, Yanni, m'a par exemple. بابا كان في الجبل ويما كانت تخيط في الدراب وفي العلم في الدار وحنا ننعسوا هكذاك بحذا طما كان فازي سا دونك جي ايتي ماركي بار سا الواليد لافا لو بير كي سي مجاهد اي ماتنا عندي ما بالمير اي بي مون بو بير كي الله يرحمه ان سي مجاهد دونك سي جو سوي تري تري سنسيبل ا سو مورسو. L'intérêt, c'est pas de le chanter comme d'habitude, c'est de mettre quand même des petites variations et tout ça. Et comme ils ont tous les deux un pied dans la modernité, ça peut donner quelque chose d'intéressant. C'est une interprétation, on va dire, intime. En fait, il a rehaussé l'émotion. Déjà, c'est un titre qui est très efficace. C'est un hymne, ça nous rappelle bien sûr l'histoire de Bled Nakoulj, donc c'est très efficace, on est tout de suite ému, mais il a su rajouter un aspect dramatique et émotionnel à la chanson. Anna, franchement, qui se met la première fois, j'ai eu un petit pincement au cœur. Enfin, alhamdoulilah, on l'a bien interprété normalement. On a personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'interpréter avec toi et Inch'Allah, le Tadjbel Rachid, voilà le public. Voilà, j'espère qu'on sera à la hauteur. Cook Studio, Birouh Jazairia.
كوك ستوديو قدم لكم من طرف كوكاكولا.